Viens, on trouve une phrase pour chaque bouteille ou un mot. Alors là, c'est quoi? Vas-y, tout ce que t'as, toute la colère que... On recommence depuis le début. 2022 a été la pire et meilleure année. Ça a été difficile pour moi, beaucoup de décisions, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, etc. Tout ça pendant un an et demi. Je me suis accrochée à des petits détails, relations amoureuses, à amitié toxique, saine. Mais pourtant, cette année, mes émotions ont coulé tant bien que mal. C'était devenu une routine et c'est là que mes problèmes ont commencé. Tous mes amis sont partis un par un, même le dernier qui restait. J'ai essayé de trouver une référence masculine dans ma vie. J'ai connu la dépendance affective, j'ai connu l'attachement toxique et la dépression. Bref, je me suis perdue. Mi-novembre, on nous annonce qu'on a enfin trouvé un nouveau-né. Après une dizaine de recherches, on allait enfin déménager dans un nouveau confort. Je me suis sentie soulagée, libre, bref. Je pouvais enfin partir en paix, respirer après un an et demi dans ce cocon inconfortable. Il me restait que des mauvais souvenirs dans l'appartement. Je partais loin de mes crises. C'était le début d'une nouvelle aventure où la galère commença. Rechercher des cartons, trouver du renfort pour le déménagement, la famille presque au complet. Après des jours et des jours dans les cartons, on arrivait presque au jour J du déménagement. C'est un grand bordel pour déménager. On vient d'avoir une chute d'eau, c'est génial. Yo, il est actuellement 8h07 et c'est le hack. Et on est samedi 3 décembre. On déménage aujourd'hui. Aujourd'hui, ça annonce une grosse journée. Il y a Bessin qui vient. Il y a la famille qui vient nous aider. Enfin, fais semblant d'avoir peur. J'attends que tu sors des toilettes. Regarde. Viens, on trouve une phrase pour chaque bouteille ou un mot. Alors là, c'est quoi? Vas-y, tout. Gigi. Gigi. Bref, je suis ultra contente d'être déménagée enfin. Il y a beaucoup de bruit en place, on est en famille. Pour fêter tout ça, il est actuellement 19h23. Je vois ton petit sourire, mais sans la connerie, hein, mais... Pas mal. Puis on en route tout d'un coup. Hein? Non. Justement, c'est ce que je me pose la question. Moi, j'avais pensé à ça. Il est trop beau. En rayon garçon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il parle? Tu dois travailler. Qu'est-ce qu'il va d'avoir? Tu veux pas gros aller quoi ça lui là? Tu veux pas rester là? Descends, va travailler. Enfin. Il est actuellement 18h09. La journée ça a été assez longue, mais bien familiale, bien bruyante. Je fais toujours mes fins de vidéo quelques jours après. C'est un peu mon habitude, je crois. Mais bref, on est actuellement janvier 2023. Ça fait un mois que la vidéo a été tournée, mais c'est la fin de la première partie de la vidéo. La deuxième partie, je sais pas quand je la sortirai, parce que je suis actuellement plein de travaux de ma chambre. Donc, bref, on se voit pour une prochaine vidéo.